Bonjour, je m'appelle Johan Kopf et je suis ingénieur consultant chez TNS. Alors avant TNS, j'ai fait un bac S et j'ai embrayé sur une prépa PCSI au lycée Kléber à Strasbourg. Et ensuite j'ai intégré une école d'ingénieur à Grenoble dans les énergies, l'eau et l'environnement. Alors c'est une petite histoire assez sympa, on était en soirée avec un ami et je disais que voilà, pour faire mon projet de fin d'études je voulais faire un système embarqué mais que je savais pas trop où me tourner parce qu'on n'avait pas beaucoup de communication de l'école sur ce domaine précis là. Et cet ami s'avère qu'il travaille chez Technologie et Stratégie et du coup voilà, il m'expliquait tout ce que Technologie et Stratégie faisait dans ces domaines là. Et on a pris contact, j'ai pris contact avec les RH, avec les managers et puis tout s'est fait de fil en aiguille comme ça jusqu'à arriver aujourd'hui. Alors je suis ingénieur consultant junior chez TNS. Mon métier consiste à développer des logiciels mais aussi à les valider. Et j'ai une double casquette qui me permet aussi de développer et valider des systèmes électroniques directement sur les cartes. Et prochainement éventuellement aussi passer une norme TOSAR pour avoir encore plus de casquettes à mon actif. L'émission, ça va dépendre des projets. La plupart du temps, ça va être de faire le développement du logiciel. Et sur d'autres projets, ça va être plutôt la validation du logiciel. Donc on travaille en équipe à plusieurs sur ces points-là du projet. Pour les projets de développement en général, c'est des outils, c'est des environnements en fait, de codage, que ce soit pour du C, du C++, du Python. Même du MATLAB. Après, le logiciel typique, ça va être Excel, toute la suite Office qui nous permet de faire des documents pour les clients. Et là, en ce moment, je suis en train de travailler beaucoup avec les outils Vector, qui sont des outils assez complexes pour la mesure de données sur des unités électroniques qu'on reçoit, que les clients nous donnent, ou alors qu'on va directement chez les clients pour faire ça. Ce qui me plaît le plus, c'est vraiment l'innovation et les nouveautés, de voir plein de choses nouvelles, que ce soit même pendant une même journée, d'apprendre beaucoup. Je pense que c'est vraiment la phase qui me plaît le plus, apprendre toujours plus. Je pense que ça reste le mindset le plus important, vraiment une façon de penser, je trouve que c'est la chose la plus importante en fait. Pour travailler dans le métier où je suis, parce que c'est bien beau de connaître certains langages de programmation, mais dès qu'on tombe sur quelque chose de nouveau, il faut être capable de l'apprendre très vite et de pouvoir l'utiliser assez rapidement. Alors je me sens très très bien, il y a une ambiance vraiment très sympa, que ce soit une ambiance de travail ou une ambiance de manière générale. Je me sens vraiment bien. Tous les matins je me réveille en disant j'ai trop envie de travailler, c'est parti quoi. Et les journées passent vitesse grand V, c'est vraiment très sympa. Totalement. C'est vraiment une entreprise dans laquelle il y a beaucoup de projets. Je pense que des ingénieurs qui sont hyper curieux se plairaient vraiment bien dans l'entreprise. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire, il y a tout le temps des choses à faire. Et on s'ennuie vraiment pas. Du coup, je recommande totalement aux ingénieurs de venir chez TNS.